Bonjour, comptez les syllabes, un exercice à faire aujourd'hui, mais à faire aussi régulièrement pour s'entraîner. On compte les syllabes dans les mots. Voici les mots avec lesquels nous allons travailler. Parapluie, pomme, chaise. Arrosoir, éléphant, chaussette, chameau, poisson, raquette, glace. Os, bateau. Encore une fois, il faut bien connaître les mots pour pouvoir travailler avec. À vous, essayez de les dire plus vite que moi. Bateau, os, glace, raquette. Poisson, chameau, chaussette, éléphant, arrosoir, chaise, pomme, parapluie. Et maintenant, c'est parti. Comptons les syllabes. Pour compter les syllabes, on va s'aider de ses doigts. À chaque fois que je prononcerai une syllabe, je lèverai un doigt et il nous suffira de compter combien de doigts on a levés pour chaque mot. Parapluie. Pas. Ra. Lui. J'ai levé combien de doigts? 1, 2, 3. J'ai levé 3 doigts, un pour pas, un pour rat, un pour pluie, parapluie, 3 syllabes, 1, 2, 3. On continue. Pomme. On y va? Pomme. C'est fini? J'ai levé combien de doigts? Un doigt? Pomme. Une syllabe. Chaise. Chaise. Attention. Compte les syllabes. Chaise. J'ai levé un doigt. Chaise à une syllabe. Arrosoir. A. Ro. Zoir. J'ai levé 3 doigts. Arrosoir à 3 syllabes. A-ro-soir. Éléphant. Et-lé-phant. 3 syllabes pour éléphant. Chaussette. Chaud-sette. J'ai levé combien de doigts? 2 doigts. 2 doigts, donc 2 syllabes pour chaussette. Chaud. 7. Chameau. Chat. Mot. J'ai levé combien de fois les doigts? J'ai levé combien de doigts en disant le mot chameau? 2. Comme le nombre de bosses du chameau. Chat. Mot. Poisson. Poisson. Son. Je lève 2 doigts. Un pour poids, un pour son. 2 syllabes pour poisson. Raquette. Ra-quette.
Je lève deux doigts pour raquette. Un pour rat, un pour quête. Ra-quette. Deux syllabes pour raquette. Glace. Glace. Je lève un doigt pour glace. Glace. Une seule syllabe. Os. Os. Je lève un doigt pour os. Une seule syllabe. Bateau. Je lève deux doigts quand je dis bateau. Un pour bas, un pour tôt. Bateau. Deux syllabes pour bateau. Je vous propose maintenant de ranger les mots dans leur maison. La maison des mots qui ont une syllabe. La maison des mots qui ont deux syllabes. La maison des mots qui ont trois syllabes. La maison des mots qui ont quatre syllabes. Un, deux, trois, quatre. Pour vous aider, je dessine des points. Un point pour les mots qui ont une syllabe. Deux points pour les mots qui ont deux syllabes. Trois points pour les mots qui ont trois syllabes. Quatre points pour les mots qui ont quatre syllabes. C'est parti. Je vais les mélanger un petit peu. Je les retourne et je vais les prendre au hasard. Bateau. Je vous laisse réfléchir. Oui. Bateau. Un doigt pour bas, un doigt pour tôt. Bateau. Raquette. Raquette. Un doigt pour rat, un doigt pour quête, deux doigts, deux syllabes, raquette, dans la maison du deux. Chaussette, chaud, sept. Un doigt pour chaud, un doigt pour sept, deux doigts pour chaussette, deux syllabes dans chaussette. Chaud et sept. Chaise, chaise. Un doigt pour chaise. Une seule syllabe. Chaise. Chameau. Chat. Mot. Un doigt pour chat. Un doigt pour mot. Deux doigts pour chameau. Deux syllabes dans chameau. Pomme. Pomme. Je lève un doigt pour pomme, une seule syllabe dans le mot pomme. Poisson. Un doigt pour pois, un doigt pour son, deux doigts pour poisson, deux syllabes dans le mot poisson. Arrosoir. Ah, un doigt pour A, un doigt pour Ro, un doigt pour Zoir, arrosoir. Trois doigts pour arrosoir, trois syllabes dans arrosoir. Je range arrosoir dans la maison du 3.
Éléphant. Un doigt pour et, un doigt pour les, un doigt pour fan, trois doigts pour éléphant, trois syllabes dans éléphant. Glace. Glace. Un doigt pour glace, une seule syllabe dans le mot glace. Pas, rat, pluie, un doigt pour pas, un doigt pour rat, un doigt pour pluie, trois syllabes dans parapluie. Os. Os. Un doigt pour os, une seule syllabe dans le mot os. Dans la maison du 1, nous avons donc chaise, pomme, glace. Os. Dans la maison du 2, nous avons rangé bateau, raquette, chaussette, chameau, poisson. Dans la maison du 3, nous avons rangé arrosoir, éléphant, parapluie. Et dans la maison du 4, nous n'avons rien rangé pour le moment. Et voilà. Nous avons fait cet exercice en utilisant des petites images que j'avais chez moi. On peut aussi faire cet exercice avec de vrais objets. Vous n'avez pas forcément d'images chez vous, mais votre maison n'est pas vide. Chez vous, vous avez peut-être une banane. Ba-nane. Je lève deux doigts pour banane, un pour ba, un pour nan. Je range la banane dans la maison du 2. Une pomme. Vous avez peut-être une pomme chez vous. Pomme. Je lève un doigt pour pomme, une syllabe pour pomme. Ça, ce serait chouette que tout le monde en ait à la maison. Ciseaux. Ciseaux. Un doigt pour ci, un doigt pour zo, ciseaux, deux syllabes. Vous reconnaissez? Un avocat. A-vo-ca. Un doigt pour A, un doigt pour vo, un doigt pour K. A-vo-ca. Trois syllabes. Un dé. Ça aussi, c'est chouette d'en avoir à la maison. Dé. Un doigt pour dé. Une syllabe dans le mot dé. Cacahuète. K-K-ouette. Un doigt pour K, un doigt pour K, un doigt pour ouette. K-K-ouette. Trois syllabes. Kiwi. Ki-oui. Un doigt pour ki, un doigt pour oui. Deux doigts pour kiwi. Deux syllabes dans le mot kiwi. Et voilà. C'est tout pour le moment. À bientôt.